Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Zero. Donc nouveau portail avec des nouveaux joueurs du collège. Alors attendez. Hop, on va les voir vite fait. Alors, ils disent même pas les... D'accord, attends. Ouais, Mina Miwa. Ouais, Mina Miwa, nouveau joueur. Avec Ishida et Takei, et aussi un nouveau Wakashimazu. Voilà, un petit Wakashimazu vert, tranquillou. Voilà. Donc, ils durent par contre. Alors, attendez. Celui-là, il va durer que 2 jours. Donc, là, c'est les orbes gratuites. Et l'autre, de 6 jours. Et payante. D'accord. Ah, un nouveau. Non, ça, c'est pas un nouveau, ça. Donc il y a aussi le nouveau portail Werder de Brême. Donc là c'est un palier comme en bourg, hein, comme vous le savez, hein, 2000, 2500, 3000, et là tu as un joueur 3 étoiles garanties. Et si tu es jusqu'au palier 5, et bah, tu as soit Margus ou soit Chester qui sont très 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 bons. Donc toujours le portail Yuga, ça change pas. Lui qui dirait qu'il y a jusqu'à 4 jours, donc transfert premium, je pense que c'est un sorte de Dreamfest. Voilà, surtout de Dreamfest qu'on a. Donc on va faire hop, le petit tirage des ballons. Histoire de. Voilà. De toute façon, depuis que je fais ce tirage-là, j'ai jamais eu autre chose que le drapeau rouge. Alors. Tac. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui, donc. Voilà, attends, actualité. On va voir les nouveaux joueurs. Ah bah si, ils sont là. J'ai même pas vu le comment ça s'appelle. Donc ils sont rouges, Margus et Chester. Mais bon, vu que t'as pas beaucoup de gemmes dans le jeu, 2000 c'est beaucoup. Hein. 2000 gemmes c'est beaucoup. Ça reste beaucoup. En fait, il aurait fallu qu'ils mettent un palier à, je sais pas, 800. 800 gemmes, ça aurait été bien. Tu vois, premier palier à 800 gemmes, ça aurait été bien. Mais là, 2000, ça coûte trop cher, 2000. 2000, c'est trop cher. Donc, Chester, je donne à tous les joueurs Brême 15%. Bon, pas beaucoup. C'est pas, je pense pas que ça va être ce leader skill-là que tu vas utiliser pour lui. Donc, il te faudra tous les attributs vitesse et stats milieu 7%. Bah, c'est bizarre parce que c'est pas un... Il n'est pas vitesse, mais il est rouge. C'est bizarre. Donc, ok. Bon. Il octroie. Bah, vaut mieux pour lui que vous lui mettez un leader skill qui concerne tous les joueurs puissance. Son passif, il octroie un boost de 7% à ses propres stats quand il est placé au poste du milieu de terrain. Donc, forcément, tu vas le mettre à son poste. 2% supplémentaire à la puissance technique de chaque attaquant, milieu et défenseur Brême. Donc, comment il s'appelle, comme donc notre ami Margus. Ah, et Hambourg, d'accord. Donc aussi les Kals et comment il s'appelle, Genzo et Schneider, pardon. J'ai un petit trou de mémoire. Et Schneider. D'accord. Donc Schneider, je l'ai. D'accord. Ok. Donc il donne à tous les joueurs Brême 15% comme notre ami qu'on va le voir. 7% comme l'autre, je pense aussi. Ouais. Donc c'est le même leader skills. Voilà, il faut qu'il soit en attaque. D'accord, très bien. Donc ça, on t'explique le palier. Alors, tour de contrôle, hein, ça on connaît. Donc il a la feinte retenue du pied droit. Elle est très 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 jolie à l'aspect. Il monte à 50 392 maximum. Donc très très fort, hein. De toute façon 50 000 ça reste un gros joueur, hein. C'est toujours des gros joueurs. D'accord. Donc t'as 40% de boost quand tu es pendant un duel. Mais pendant un duel, je crois que oui, mais pendant un duel quand t'as lancé le full power. D'accord. Bombardement, d'accord. Donc lui, la tête smatchée explosif X. D'accord, 50 345, je crois, comme lui, non? Non, il est un peu moins fort que notre ami Chester. D'accord, retour à la liste.
Donc, on va voir le nouveau joueur collège. Donc lui donne à tous les joueurs doués 10% et tous les joueurs doués attribuent vers 6%. Il se trouve un boost de 5% à sa propre puissance de technique remplacée au milieu de terrain, 2% à tous les attaquants verts. Pour chaque joueur milieu de terrain et milieu de terrain bien placé. Ils sont compliqués leur truc. Leur passif. Donc là c'est la même chose que l'autre. Takai, Kazuto Katai octroie 5%. Ouais, comme d'habitude. Tous les joueurs sont à part un transfert spécial d'équipe douée. Donc il y a la liste des doués. Donc je vais vous la mettre, elle est là. Donc vous avez Yuga, roi du collège et Surimachi. Bon bref, je vous laisse regarder toute cette liste. Vous allez voir, c'est une liste assez conséquente. Voilà, vous avez toute la liste ici. Ok, donc là, nouvelle event à farm. Donc nouveau Junior Youth, notre ami Sawada. Donc je pensais vraiment que quand Yuga était sorti en Junior Youth, je pensais vraiment qu'ils allaient mettre Sawada et Yuga ensemble. Parce que bon voilà c'est le duo de la Mewa et de la Toho. Et ben non, donc là on va avoir un Sawada gratuit, donc je vous invite fortement comment s'appelle, à le farmer, parce que voilà ça reste un joueur fort. Il est rouge milieu de terrain, donc il a deux techniques X, donc tir à verrouillage de cible et Golden Twin Shoot de la Toho X. Donc je pense qu'il va falloir un Yuga, mais je pense qu'il va falloir un Yuga. Il faut le Yuga Junior Yush, je crois. Je crois. Donc vous savez comment déverrouiller les joueurs, hein, je vais vous expliquer très rapidement. Voilà, donc vous allez récolter les jetons Sawada à force de faire les matchs. Et ensuite vous allez déverrouiller le joueur. Je vais vous montrer tout à l'heure. À la liste. Voilà. Ok, donc là il va falloir, je crois, 90 insignes pour le déverrouiller et 120 pour le mettre en 5 étoiles. D'accord, tac 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 tac. Donc si tu termines les missions, tu as 2000 gemmes. Donc attention, faites les matchs en mode manuel et pas en mode avec les tickets zap, parce qu'au bout de 50 matchs, tu as toutes les récompenses. Mais en mode manuel, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que vous faites 50 matchs manuels, et là vous avez tous les bonus des gemmes. Il faut le préciser. Donc on a la liste aussi des joueurs qui donnent des boosts. On va voir ça tout de suite. Dommage, on n'a pas la puissance de notre ami. Et ça, ils ont pas mis sa carte. Bon, de toute façon, ça reste un joueur très très fort. Hein. Voilà. De toute façon, c'est un junior youth, donc tous les junior youth ont été plus ou moins forts. Mission. Donc, par exemple, voilà, on peut tout recevoir. Voilà, 50. Voilà, vous allez dans durée limitée, donc voilà. Donc, voilà, quand vous faites jusqu'à 50 matchs, alors il est là, ça voit 50 matchs. Voilà, donc vous avez 200 gemmes. Voilà, donc en tout, vous avez 2000. Là, par exemple, les frères Tachibana, je suis à 20 matchs manuels et il m'en manque 30. 30 et l'event se termine. Alors, attendez, on va voir ça tout de suite. J'ai 30 matchs à faire. Il termine le 9. Donc, on est le 2, donc j'ai une semaine. Donc, c'est bon, j'ai le temps. Donc, voilà, donc vous cliquez là. On va voir les joueurs bonus. Donc, malheureusement, il vous faut les nouveaux. Donc, il vous faut le Jito. Donc, il n'y a que le Jito et le Sano, qui sont maintenant entre guillemets anciens, mais il vous faut les nouveaux Werner de Bremen, les nouveaux alors Mina Miwa, si je le prononce bien, et bien évidemment le comment il s'appelle, notre ami Sawada. Voilà les joueurs bonus. Dans l'échange, comme d'habitude, on va voir ça tout de suite. Donc vous avez 10 tickets rares pour 1000 pièces Sawada. Et il vous faut en tout 120 et 90
On est à 210, ça, 210, 210 pièces pour avoir le Sawada 5 étoiles. Ici, voilà, vous avez le tir à verrouillage de cible X et la Golden, Golden Twin Shoot de la tour X. Voilà. Et après, là, vous avez en normal. Et puis, c'est un ballon de déchaînement, tir rang 4. On va voir tout de suite. Je vais voir ça. Donc voilà, c'est ça. Il vous faut le Yuga. Le Yuga Junior Youth. Voilà, ça c'est un tout petit peu dommage. Mais c'est en même temps, c'est un peu logique. Donc là, vous avez les ballons pour monter vos spé et les faire évoluer. Même pas, je crois même pas pour les faire évoluer. Je crois que c'est pour monter les spé. Donc là c'est Hashibana. Donc voilà, donc quand vous commencez à avoir les insignes Sawada, vous allez dans déverrouiller en bas à droite. Et Sawada elle est là. Voilà. Non même pas, il vous faut 120, excusez-moi. Il vous faut 120 insignes pour débloquer Sawada 3 étoiles. Voilà. Pas assez d'insignes, ce qui est normal, j'en ai qu'un. Mon avis sur le nouveau portail des Mina Miwa. Ouais, franchement, moi j'invoquerai pas dessus. J'invoquerai pas dessus. Apparemment, il y a un nouveau Kasugi et apparemment un nouveau Tsubasa. Alors, on va voir dans le détail. Des fois, dans le détail, on peut voir peut-être le Wakashimaru. Non, je crois pas qu'il en est le Wakashimaru. Moi, je l'invoquerai pas dessus. Hein. Personnellement, non, ils n'ont pas mis. Ils ont mis que les gens de la. Moi, je l'invoquerai pas dessus, personnellement. Par contre, les tickets qu'on vient de voir là, les tickets dorés, je sais pas à quoi ça sert. Je peux pas vous dire, je sais pas. Je sais pas. Donc là, on a les transferts bonus. Voilà. Ah, ils ont mis le Wakashimazu dedans? Ah, ils ont changé. Ils ont changé la bannière. Avant, il n'y avait pas le Wakashimazu Junior Youth. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe ou pas. Mais je crois que maintenant les joueurs Junior Youth ne sont pas exclusifs dans le temps. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le détecteur. Donc vous pouvez les avoir entre guillemets n'importe quand. Parce que regardez, maintenant, Wakashimazu, il est dans le détecteur des transferts bonus. Donc ça veut dire que les Jito, vous pouvez l'avoir n'importe quand. Le Yuga. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est pas des joueurs limités dans le temps. Ça fait plaisir. Non, moi t'as vu, je vais avoir. Alors attends. J'ai 2600. J'hésite soit à essayer de pull encore le Yuga ou le Matsuyama, mais il me faut absolument le Jito. Le Jito, il me le faut absolument parce que grâce à lui, je peux que déclencher la nouvelle spé de Ishizaki. Je peux déclencher la spé des Tachibana. Et clairement, c'est un joueur qu'il te faut absolument dans ton équipe si tu veux déclencher ces spé qui sont assez fortes. Et voilà, donc Jito, c'est un joueur qui me faut. Donc je sais pas, j'hésite beaucoup entre essayer de repoule dessus, mais vu que j'ai déjà eu Sano, j'ai peur d'avoir un doublon. Donc voilà. Donc voilà les amis. Voilà mon avis sur les news aujourd'hui. Donc Sawada, tu le farmes. Ça, tu te poses aucune question. C'est un junior youth. On le farme, il n'y a pas de problème. Et les Minamiwa, ouais, ils sont forts. Hein, il n'y a pas de problème. Mais bon. Tu vas y avoir juste pour avoir le boost pour faire l'event Sawada. Est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment pour moi. Pas vraiment. Voilà les amis, je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Zero. Et très bientôt une vidéo Captain Tsubasa Dream Team, le portail World Legend spécial Barcelone qui sort le 4 octobre. Donc il y aura une vidéo dessus, bien évidemment. Je ne vais pas louper ça. Je vous kiffe, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.